Retrouver Godevin, c'est à cause le de ces vilain. J'aurais jamais dû... Non. Ce n'est pas de ta faute. Comment tu peux en être si sûr? Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe dans son sang. La macula évolue. Elle fait passer le porteur par différents seuils. Et ce magister Vaudin, il peut vraiment l'aider? L'ordre étudie la macula depuis des siècles. Si eux ne le peuvent pas, je ne sais pas qui le pourra. Seigneur, protégez-le. Pourquoi Vaudin ne s'est pas déjà présenté? Je pense qu'il préfère rester discret. L'ordre fonctionne comme ça. La lumière, elle est si belle! C'est du gâchis de mettre ma vieille tête, quoi. Ah, qu'elle a la voix de ange. Là, un garde. Je vais lui demander. La musique me dit rien qui va. Bonjour. Pardonnez-moi. Bonjour, Godefroy. Savez-vous où nous pourrions trouver le magister Vaudin? Je connais un messire Vaudin, mais pas de magister. Allez donc voir les fleuristes au marché. Il me semble qu'il leur rend visite de temps en temps. Merci. Bien, c'est un début. C'est évident. C'est plus beau que le jeu Puits du Fou, en tout cas. Le titre qu'il porte au sein de l'ordre. Nous sommes passés devant une fleuriste tout à l'heure. C'est quelque part du côté du marché. Elle était là. Rebonjour. Oh, c'est encore vous. Vous cherchez des fleurs pour le petit? En fait, nous cherchons Messire Vaudin. Je crois que c'est un de vos clients. C'est un client de mon mari. Les herbes médicinales, c'est plutôt son affaire à lui. On va diminuer la taille de ma cam. Mais Martin devrait se trouver près de la fontaine. Dites-lui que je vous envoie. Il porte une tunique brune. Une tunique brune. Merci pour votre aide. Espérons qu'il nous aide. Il le fera. À de la fontaine, une tunique brune, j'écoutais pas. Pardon, monsieur, c'est votre femme qui nous envoie. Oh, qu'est-ce qu'elle veut? Je dois nettoyer tout ça, je suis occupé. Ce n'est pas pour elle, nous devons trouver Messire Vaudin. Lui, il n'aime pas qu'on le dérange. Et moi non plus, d'ailleurs. Écoutez, mon frère est très malade, on doit le trouver immédiatement. Oh, d'accord, d'accord. Je ne sais pas exactement où, mais je crois qu'il habite près de la reine, là-bas. Il y a un petit torticolis. Et ce n'est pas moi qui vous l'ai dit, hein. N'ayez crainte. Merci. Bien, ne perdons pas de temps. Le quartier de la reine. Il y a beaucoup de maisons. Comment allons-nous le trouver? Il y a du grabuge dans l'air. Je le sens. Oui, j'ai interdit aux enfants de quitter la reine. Quel taudis! L'ordre est riche. Que fait un magister dans un endroit pareil? Il se cache, sans doute. Oui, sans doute. Amicia, ce symbole sur le mur. L'ordre? Oui, il est là. Défense d'entrée, la reine est fermée au public. Et pourquoi donc? Parce que le comte de Provence l'a ordonné. Maintenant, circulez! Écoutez, j'ai vraiment besoin de passer. Ça ne fait rien. Viens, on va faire le tour de la reine. Oh! Cette texture de gadou! Ouh, j'ai envie de foutre ma tête dedans! Ouh, Ne perdons pas de temps avec tes soldats. Jetons un coup d'œil aux alentours. Tu as raison. Désolé. Il y a une porte là-haut. Oui. Excusez-moi. J'ai cru croiser ma mère, mais c'était une énorme mule. Alors, prête à enfreindre la loi. Allez. Et en 12K la porte. Là, j'ai le droit. Bien. Là, j'ai le droit de me balader, d'accord, ok. Ce sera jamais net, ok.
Est-ce que c'est là? La morsure? Oui. Ils ont condamné la reine. Ils les ont laissés mourir. Alors tout va recommencer. Ça a déjà commencé. Hugo, on l'a amené ici. Allons trouver Magister Vaudin. S'il n'est pas déjà mort. Comment ont-ils pu les laisser pourrir ici? Ces gens ont l'air pauvres. Ils doivent venir des taudis alentour. Comment personne n'a pu remarquer leur disparition? L'indifférence générale. Sans doute. Là, un autre symbole. Bon, il n'y a plus qu'à entrer. Parking des Capucins. Les symboles vont nous mener à lui, tu crois? Oui. Là, presque criminel de pas... Il y a un passage. Il y a forcément un moyen de grimper. De pas s'attarder plus longtemps sur les décors. Ça pourrait servir. Je vais t'aider. Si Vaudin est ici, il est en danger. Il connaît la morsure. Il doit éviter les malades. Lucas, si tous ces gens ici ont été mordus, ça veut dire... Pas forcément. Un malade aurait pu l'amener à l'intérieur de la ville. Ça de la journée. Je le connais pas, je le jure. Et espèce de... Oh non. Il a un casque, je ne peux rien faire. Ah. Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis à 1% de mon pouvoir. Un bruit. Tu es seul, j'ai tout mon temps. Tu ferais mieux de te mettre à table. Pitié. Cette brute n'est pas un soldat. Mais il en a l'habit. Pas une seule pièce. Non. Je vais plutôt chercher notre homme. Si je le trouve, j'aurai une récompense. Amicia, il va nous voir. Je vais le faire bouger. Oh, merci, ce sale comte qui est... Il y a eu un bruit. Tu en reverras. Insaisissable qu'une anguille. Et le chef qui va pas tarder? Merde. Il cherche Vaudin, eux aussi. Il pense qu'il est médecin. C'est bien notre chance. Eh ben, il est là. Il a pas fait grand effort pour soigner ces malheureux. Regarde ça. Ils sont encore plus pauvres que nous. Pas une pièce. Alors arrête de tout mettre à sac et cherche ce maudit alchimiste. Ah. Ah. C'était quoi ce bruit? Je dois imaginer des choses. Oui, c'était des rats. Non, tous ces backseaters, tous les gens bannis de mon chat, ils sont tous là, regarde, je les reconnais. Oh, attendez, mais ce tissu est en 12K. Le petit bubon là. Ah oui, il est un petit peu reluisant. Hein. Au cas où quelqu'un zoomerait dessus, aurait envie de mettre sa langue. Zylev, c'était mieux avant. Oh, pitié, non! Là-haut, on dirait qu'on peut rentrer par là. Trouvons un moyen de monter. Vite! Oh, les gros cochons. Celui-là, il tire un peu la gueule. De moitié de chariot ici. Mais il n'est pas assez haut. Je pense qu'il déplaçait les corps avec. Non, mais cette tondeuse aussi, là.
ce chariot. J'ai pas réparé ce chariot. Que je fasse. C'est vrai que les cochons peuvent manger les gens, sauf les dents. Cette cage là-haut, c'est une de la bonne. Ah, elle est remplie de cadavres. On va. Oh, ne regarde pas. Non, ça... Et franchement, par contre. C'est un massacre. J'avais presque oublié que le 1, il était. Il était fucking hard. Touché. Ça a déjà commencé à se répandre. Oui. En termes de purulence et de gore. C'est pas du tout Tomb Raider, hein. C'est vraiment plus 16. Hein. C'est la déprime totale. C'est plus Tomb Raider, oui. On y va, vite. Il y a déjà tellement de morts. Comme si elle avait toujours un coup d'avance sur nous. C'est vrai, mais aucun de ses corps n'a été dévoré. Regarde, j'ai l'impression qu'il recensait les morts. Ils ont oublié un couteau. Ring, ring. Il est coincé. Allez. Est-ce que je vais pouvoir tuer les mecs? Continuons par là. Ah, j'ai plus un couteau. Du coup, peut-être que c'est juste pour se... Je l'ai déjà fait. J'avais pas le choix. Peut-être qu'elles sont à usage unique comme dans Resident Evil Rebirth. C'est exactement ce qu'il nous faut. Bon, c'est toi qui vois. Non, non, c'est les dents qui mangent pas, c'est pas les gencives. Ils peuvent pas mâcher les gencives, ils les chient, je pense. Un autre symbole. Bien, mais Lucas, si ces gens sont tombés malades, ça veut dire que certains ont dû être mordus. Je n'ai vu aucun signe d'attaque. Pour le moment. Bon, avançons. On impose. Hein. Des soldats renégats, ça ne me dit rien qui vaille. Un archer, là-haut. Il y a un mec en haut. Des intrus. Bon sang. Voilà, là, ça va foirer, là. J'ai un foutu alchimiste. Hey, tout va bien. Un poignardé Y. Ah, j'ai pris une flèche et je tombe avec mon gars. Ouais, c'est ça, t'éloigner les rats avec du feu, quoi. Il va falloir commencer à réfléchir. Hein. Hein ? Et voilà que je perds la tête maintenant. Il se tourne. C'était qui ? On doit se cacher. Aidez-moi, les arrêter ! J'envoie un drone. Je marque l'ennemi. Oh.
pour aller par là. Il a bien aimé le Beaujolais nouveau, lui, hein. Ah, il t'empêche d'ouvrir le truc. Oh. Metal Gear. Ah cool, putain, il y a un checkpoint ici. Okay. Voilà. Un problème de moi. Attention, s'il se rend compte qu'on est ici, il faut qu'on avance. C'est juste un cadavre. Jean-Michel fait une sieste. Ouais, d'ailleurs, qu'il somnolait beaucoup. Il dormait pas trop en ce moment. Ça va refaire la même chose. Là, il va me trouver 100%. Et du coup, ça consomme un poignard. Donc après, je l'ai plus. Sois prudente. Je sais ce que je fais. On a bien défoncé. On est en difficulté normale, hein. Le jeu il est pas là pour me castrer dès la première séquence où on peut un peu bouger comme on veut. Debout. T'as un coup de mou, Freddy. T'es malade ou quoi? Oh! Il est mort. On est découvert. Là du coup il n'y a pas l'archer donc on peut passer. Putain c'est trop bien, il y a encore les flèches et tout. Oh là là, c'est trop stylé. Je n'en peux plus de ces voleurs, tueurs, mercenaires. Toute cette vermine qui se met toujours en travers de notre chemin. Le chaos gouverne nos vies. Ces gens en font partie. Bah là, le meilleur passage du 1 c'était justement quand t'avais une map un peu que tu composais comme tu voulais. Oui. Là c'est nickel. C'est certainement pour ça qu'on est encore en vie pour en parler. Alors. Amicia peut pousser les ennemis dans du feu ou dans des rats, dans les attaques de mêlée, les tuant instantanément. Ah vas-y, je prends ça direct. Connaissance alchimique. Grâce à meilleure connaissance, Amicia fabrique des munitions alchimiques. Marche plus silencieusement, attire moins l'attention des ennemis en toi. Oh, non, mais l'agressivité. Et... j'ai tout ça déjà? Ah non, c'est tu farmes chaque truc? Ok, d'accord. Bon, sur un jeu aussi linéaire, hein, vous doutez bien que c'est cette odeur. Le but c'est à la fin d'avoir plus d'outils. C'est quoi cet endroit? Pour se renouveler, mais c'est pas tant un RPG quoi. Je crois que. Va foirer ta build. Ça explique tous ces malades. Je ne m'y habituerai jamais. Personne ne le devrait. Tu avais lu tout seul avec ton style de jeu. Ok.
Là, il s'est pas dit que j'avais envie de bourrer dans le tas, quoi. J'ai passé mon temps à courir. Mais j'ai l'impression que je suis pas avec un enfant, mais avec un hobbit. Vous avez pas cette impression, regardez-le. Il a un petit look de hobbit, quand même. Ah, c'est ce que dit ma femme souvent aussi. Faites qu'on y soit enfin. Techniquement, selon les lois du jeu vidéo, si on a continué à avancer dans une direction sans être bloqué, c'est que c'est par là. Et il y a exactement la personne qu'on cherche. Je peux jamais se tromper. Seigneur, c'est une vraie ville. Le symbole, il est dans cette tour, c'est sûr. Sûr ? Lucas, on va avoir un mal fou à traverser tout ce chaos. C'est l'ordre. La place d'un haut magistère est dans la plus haute tour, non ? Allons-y. Et qu'est-ce que c'est que ce décor de zinzin ? Les gens, ils font la teuf alors qu'à côté, c'est un bidonville comme ça, dégueulasse, plein de rats ? Mais jamais dans la vraie vie ! Lol. Surtout pas au Brésil ! Ou même à Naples, ou à Paris ! Jamais de la vie ! Non, mais c'est le seul moyen. Personne n'a jamais enjambé un clochard ! Non mais c'est magnifique. Oh oui, les monceaux de cadavres à l'ancienne. Ne frappez pas. Calmez-vous. Nous ne sommes pas avec ces hommes. Vous habitez ici ? Oui. Ah yes ! Ils sont encore plus beaux qu'avant ! Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Venez avec nous! Nous devons monter à la surface! Le soleil nous protégera! Calmez-vous, vous ne risquez rien! D'accord! Ouais, il bouge super bien! Il en vient plus! Il y en a d'autres! Continuez d'avancer! Ils sont trop nombreux! N'arrêtez pas! Oubliez-les! Avancez! Oui! C'est vrai que c'est un peu la même expérience quand t'essaies de jouer à... Essayer de jouer à Undertale avec les backseaters dans le chat, c'est un peu la même impression que j'avais. Putain, ils ont tellement bien amélioré leur moteur de rat, quoi. Je le savais. Oh, le jeu à la classe. Je t'avais dit qu'ils étaient ici. Ils sont 2 millions. Comment ? Comment peuvent-ils déjà être aussi nombreux ? Hugo, ils sont là pour lui. Oui, ça tiendra. Regarde, ils grimpent. Quoi ? Comment ? C'est un cauchemar. On va jusqu'à cette tour. On trouve Baudin, on le ramène à Hugo et on s'en va. Mon matériel, j'ai tout perdu en tombant. Au brassant. Oui, surtout ne fais pas tomber cette torche. On peut escalader ce mur, mais je dois avoir les mains libres. Alors là, je forçais un peu, quoi. On abandonne la torche. Ça le termine. On fait quoi ? Utilisons un bâton. Il va vite se consumer. On reste en ligne droite. Oui, la plus droite possible. Tout ça, c'est les mécaniques du 1. Lucas, à la nuit tombée. Oui, rien ne les empêchera de sortir. Ah,
absolument se réfugier plus en hauteur. La flamme tient bon. Pour l'instant. Pour l'instant. Bien. Un bras zéro à la fois. On peut le faire. Et toi, tu veux pas prendre un bout de bois, Jean-Michel ? Oh, la lumière n'attend pas l'échelle. Cet anneau a l'air plutôt proche. Je le vois. Oui, beau travail. Allons-y, vite. Ce qui est ouf, c'est que c'est pas scripté. Hein. Les rats, ils ont vraiment leur propre... C'est leur propre générateur développé en interne, leur propre gestion de particules qui grouillent et tout, quoi. Pouah, c'est si bien fait. Enfin, haute. On se sent mieux. J'ai besoin de reprendre mon souffle. Je sais pas qu'il disait cher. Fais vite. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Vraiment ? Une poutre ? C'est l'unique chemin. Oui. Enfin. Doucement. Waouh. D'accord. Surtout, prends ton temps. Ah ! Stupide ou vite, je joue plus ! Non ! Je suis encerclé ! L'échelle ! Il faut que tu montes, vite ! Oui ! Allez, ça va, tout à moi. J'ai besoin d'aide. Ils en ont après moi. Reste calme. Tu es en sécurité. Pour l'instant. Je ne t'abandonnerai pas. Tu le sais. Oh merde, ça suffit pas ça? J'ai tout de suite essayé. Crétin de touc! Tout de suite essayé de m'aroufler, quoi. Il y a toujours cette mécanique où ils disparaissent dans le néant, quoi. Voilà, c'est bon. Merci. J'essaie de te rejoindre. J'ai besoin d'un bâton pour traverser. Ah, merci, mais j'en ai besoin d'un qui n'est pas allumé. Je me disais, mais c'est peut-être très con ce que je fais. C'est pas autant aussi con que lui, qui genre si je lui jette pas dans les mains, il le voit pas. Allez, courage, fais vite, et ne tombe pas cette fois. Tu vas y arriver, ne panique pas. C'est un peu tard. C'était horrible. Merci. Arrête de me donner des sueurs froides. Avançons. Ouais, Lucas, il fait aucun effort. On se rapproche de la lumière du jour. Peut-être qu'on se sera rapproché de cette tour. J'ai hâte d'entendre le plan du magistère Vaudin. Son plan a intérêt à être bon. 100% mort. Hein. Ou méchant. Oh non ! Me dis pas qu'on doit redescendre. Et si ? Tu plaisantes ? Non. Et l'état d'Hugo empire à chaque seconde qu'on perd ici. Ta mère veille sur lui. Tout ira bien. Il n'y a pas de rats ? Non, mais ils étaient là il y a peu. Regarde tous ces corps. Encore chaud. Ils sont proches. Attention. Ça te plaît, ça te plaît qu'ils soient encore chauds ? Tirer un monte-charge. On pourrait sortir par là. Lucas, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai vu ça dans un livre. C'est un éléphant d'Afrique. Les Romains les capturaient pour les jeux du cirque. C'est énorme. Regarde, ses dents. C'est irréel. Oui. Il y a suffisamment d'ossements ici. Trouvons la sortie. Mais attends, mais ça c'est des marques de tracteurs ? Des trucs comme ça, là. Et c'est possible d'avoir cette formation-là, en vrai, sans des pneus de gros tracteurs.
Ah, c'est des dalles. Je croyais que c'était de la terre qui était creusée. Non, c'est du caca, quoi. Oh non, je vous dis pas que c'est des briques. C'est un tracteur. Ah, c'est des briques. Ah, c'est de la terre. Je vois bien que c'est pas texturé comme de la, comme des briques. C'est un tracteur, c'est sûr. Plectel se passe dans le futur. Attendez Plectel 3 et vous me donnerez raison. C'est du soufre. C'est une forge, une manivelle. Voyons à quoi elle sert. J'ai besoin de ton aide. Bien sûr. Waouh. Ah, faut tourner. Oh putain. Tu entends ça? Oh non, c'est non. Regarde ce qu'il y a. On est coincé, Lucas! Non, non! Regarde la plateforme! Le brasero! Je pense qu'il est assez gros pour illuminer toute la pièce! Comment on fait pour l'allumer? Je ne sais pas. Salpêtre, soufre, alcool, tout ce qu'on peut trouver! Bien, les alcôves sont ouvertes! On y trouvera peut-être quelque chose! Des stocks de viande? On a besoin d'un agent de conservation comme. De l'alcool! Peut-être dans ce coffre? Bon. Essayons d'occuper ces rats d'abord. Ne tombe pas. Merci, Lucas. Ça, ce qui est fou, c'est que dans les previews, j'avais vu des images où t'avais une arbalète et tout avec Amicia. Donc ça va vraiment être plus tard. Ça va leur plaire. J'y vais comment, là? Mais ça ne suffira pas. La voie est libre. Bien. Il y a beaucoup trop de rats là-dessous. Alors, qu'est-ce qu'il contient? Et bordel! Laisse-moi vivre! Oui, c'est bien. Très bien. Reviens. Pourquoi tu sautes pas comme une grande? Mais non, mais t'es remonté, abruti. Bien. Il faut un autre élément et on pourra fabriquer de l'ignifère. Tu te souviens? L'ignifère. Je l'avais oublié. Allons voir dans l'autre pièce. C'est du soufre, c'est ça? Oui. Il y en a de répandu sur ces planches. Le coffre là-haut doit en contenir plus. Du soufre pur, ce serait parfait. Alors montons voir. Une manivelle. Il y a un monte-charge. Est-ce que ça va? Oui. C'est le plus beau jour de ma vie. Tu peux nous aider aussi? Évidemment, ça ne restera pas en place. Je peux t'aider? Bonne idée. Lucas, tu dois le faire. Bien sûr. Attends, mais j'ai besoin de quoi? D'un monte-charge? D'un truc? Oh, je pouvais m'asseoir sur le Hobbit et puis aller chercher le coffre direct, hein. Je tiens. Franchement, rien ne m'en empêcheur. On perd du temps. Ah, il y a deux cales à la con. Il faut forcément le mettre dans le monte-charge. Signal. C'est bon, arrête. Naturellement. Arrête de vivre aussi. Il faut accélérer. Je m'inquiète pour Hugo. La tour n'est plus très loin. Dès qu'on trouve Baudin, il... On ne sait même pas s'il est là-dedans. Et avec les rats et ses mercenaires. Hey, une chose à la fois. Oui. Tout ça parce que l'autre, il veut pas servir de marchepied, quoi. Alors que c'est clairement ce qu'il fera quand il aura 25 ans. Tu trouves quelque chose? Tu avais raison. C'est du soufre. Oui. Enfin une bonne nouvelle.
On a du soufre et de l'alcool. C'est une base idéale pour l'énifère. Hautement réactive. Allez, mélange-les. L'énifère, ça faisait si longtemps. Ça sauve la vie. Fini. Lance-le sur ses braises avec ta fronde et... espérons que ça marche. Wow. Oh, bon sang. C'était hautement réactif, en effet. Merci, Lucas. Cet énifère sera plus qu'utile. Maintenant, essayons de faire descendre cette plateforme. Je crois que j'ai vu d'autres manivelles dans les parages. Jetons un œil. Voilà nos manivelles. Là-haut, sous les arches. Oui. Essayons. Et comment j'y vais, du coup ? Saloperie ! Waouh ! Ça fait beaucoup de vieilles. J'imagine facilement la foule égayée par le vin en plein combat de gladiateurs. Oui. Certaines choses ne changent jamais. On raconte nos vies, là, sérieux ? D'abord, pas de truc normal. Oui. Un truc qui fait du frais. Il y a encore des rats. Ce pot en terre, là. Il pourrait concentrer l'effet de l'énifère et le libérer à l'impact. Vas-y, essaie. Espérons que ça marche. Un pot combien que mission créera une large jaune. Sélectionnez le pot avec RS. Oui. Oui, ok. Ah oui, d'accord, ok. Maintenant. Ah ouais, d'accord, oui. Ok, tu peux. Allez, faire des mini feux. C'est fait. Lance-le pour allumer un feu très bref. On pourra traverser, mais on devra faire vite. Allez, déplaçons ce monstre. Ah. C'est beaucoup trop lourd. C'est à ça que sert la manivelle de l'autre côté. On a besoin d'être deux. D'accord. Reste là. Je vais m'occuper de l'autre. J'attends ton signal. C'est ça, Amicia. Espérons. Si quelqu'un m'avait dit qu'on aurait nos propres jeux du cirque... Si quelqu'un m'avait dit que le monde serait sur le point de s'effondrer à nouveau. Non, non. Caillou. Pas beaucoup de peau. Des cages. Ils gardaient d'autres animaux. Je vais t'aider, Hugo. Je vais trouver ce boudin. Mais il faut que tu t'accroches. Vous êtes trop présent, là. Je fais tout ce que je peux. Ah, j'ai pris de rats de merde. Ah non, j'ai mal pensé. Ce monstre. C'est beaucoup trop lourd. C'est à ça que sert la manivelle de l'autre. On a besoin d'être deux. D'accord. Reste là. Je vais m'occuper. La petite grid, bien sûr. J'attends ton signal. Des cages. Il gardait d'autres animaux. Je vais t'aider. Ça va, des potes au lait, il y en a pas mal. Je vais trouver ce boudin. Il faut que tu t'accroches. Fais tout ce que je peux. Non! Oh putain, l'inifère gâché! La manivelle maintenant. On fait descendre ça et on file d'ici. C'est bon, Lucas! J'y suis! Ça valait le coup de grid?
Oui, ça marche. C'est incroyable. Merci, Seigneur. Énormément d'habileté et de patience. Ça recommence. Tu comprends ce que ça signifie? Oui, bien sûr. Mais on en a vu d'autres. Tu as vu comment ils sont chargés? Leur façon de bouger, ils sont plus rapides, plus agiles, plus intelligents. Mais on a réussi. De justesse. Mais c'était il y a 5 ans, le 1. Avec le soutien de l'Ordre, nous ne serons plus seuls pour les affronter. J'espère vraiment que tu as raison. Jeune Hobbit. C'est un rang. Merci beaucoup, Genesis. Pitié, dis-moi que nous sommes sur le bon chemin. Des surmulots. Oui, la tour. C'est un peu rapproché. C'est pas beaucoup, hein. Un peu. Mais c'est mieux que rien. Aucun signe des mercenaires. Espérons qu'ils ne le trouvent pas avant nous. Allez, dépêchons-nous. Est-ce que c'est fun? Cet endroit semblait plutôt agréable, en fait. Avant la morsure, fermé. Un jardin potager. Oh, regarde ça. Amicia, il faut que tu vois ça. Je pense que ça va te plaire. Quoi? On n'y a rien à foutre. Et toi? Que fais-tu ici? Celui qui l'a planté ne l'avait pas. La drogue. Hugo va l'adorer. Je vais la porter là. Comme avant. Ça te va bien? Eh ben, merci. Continuons. Non, attends, parce que... il y avait clairement un truc. Imagine, notre borne 2, comme ça, là. Prêt, hein? Hein? Salope. En attendant, Plectel 2, c'est trop bien. Je me demande comment le comte de Provence espère régler cette pagaille. Les gens ont l'air de dire qu'ils s'en moquent. Ils laissent son armée gouverner. Ce qui n'empêche pas ces mercenaires d'agir en toute impunité. Nous qui pensions être en sécurité. Ah, le couteau, ça c'est très bien, parce que ça nous a sorti une sacrée misère. Attends, mais faut aller où, là, genre, Jérôme? Les gens étaient des nains, on est d'accord. Quoi? Si. On est vraiment plus très loin de la tour. Un dernier effort. Au contraire, je trouve que ça n'a pas beaucoup changé, Avignon. Il doit être là-dedans. C'est l'endroit le plus sûr, en tout cas. Si l'Ordre a encore un tel pouvoir, il pourrait sauver Hugo. Le parc Spirou, l'an prochain, ça ressemble à ça, hein. Qu'est-ce que... Alicia, tu kiffes ça ou quoi? C'est quoi ton délire? Là, j'entends les violons d'Olivier d'Orivière. C'est dur à dire, ça. Donc, on attend qu'Arnaud arrive pour le débusquer. Ah, les mecs habitent là, quoi. Prêt à envahir la tour. T'as pas entendu? Ils vont se faire bouffer à la tombée du jeu, à la tombée du soleil. Allons attraper ce foutu alchimiste et fichons le camp. On attend Arnaud. C'est un ordre. Très bien. Tant pis. Il est bien dans la tour. Et ils vont bientôt la prendre d'assaut.
Lucas, c'est notre dernière chance de sauver Hugo. Oui, on doit atteindre le magistère Vaudin avant que leur chef n'arrive. Viens. Oh merde, il y a les archers. Ouais, d'accord. J'avais pas vu Jean-Michel là. Avant que leur chef n'arrive. Viens. La poucave là. Pas de temps à perdre. Hors de mon chemin. Oh, la fronde, elle est surpuissante quoi. Franchement, c'est le meilleur truc qu'ils pouvaient faire, c'est-à-dire rajouter des passages où tu dois utiliser ta propre jugeote et improviser, etc. Tester des strats. C'était trop rare dans le premier jeu, alors que ça fonctionnait. Ça demande plus de temps, level design, mais franchement, c'est nickel. Et du coup, le craft a plus de sens, la gestion de ressources aussi. La mécanique de casque hein, qui permet d'être dans la dèche quoi qu'il arrive. Allez, allez. Le mec il avait des trucs. Et du coup, les pots, ils ont une meilleure utilité, quoi. Merde, non, je me fais bouffer parce que j'étais grid. Le mec est très très con. Le truc a pris feu devant lui. Rien. Le mec. Le mec est ultra aveugle. Rappel, hein, je suis en normal. Hein. Si vous voulez jouer en réaliste chez vous. Debout, espèce de feignasse. Allez. Alors, Thierry. On baille au corneille, tu sais, il y a des rats partout quand on essaie de le bouffer. Putain, c'est pas le moment de faire la sieste, Henri. Ça rigole ou quoi, Freddy? La Far Cry, hein. On ralentit encore. On y est presque.
Venez nous foutre la paix, oui. Putain, j'étais là, qu'est-ce que c'est que ça? Le truc, c'est Bloodborne, ça fait... ils ont invoqué un truc, là. Foutez-moi le camp. Ah, j'adore quand ils font une tornade, là. Non, non, doucement, doucement, doucement. On y est. Attends, et là, il y a encore le mode photo, même si pourtant j'ai l'impression qu'ils ont tout biaisé, quoi. Ok, ok. Du coup, on peut voir si dehors ils ont tout dépopé. Hein. On est à l'abri. Tu t'en es bien sorti. Qu'est-ce qu'il y a? Vaudrait quelque part ici. Comment on rentre? Comment on rentre, Jean-Michel? Ces derniers mois, sur la route, après tout ce qui s'est passé en Guyane, Hugo a toujours été terrifié à l'idée que ça recommence. Mais tout était tellement magnifique et silencieux. Et alors, je lui ai dit que c'était peut-être terminé, que le pire était derrière nous. On l'a tous espéré. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire? Que les rats sont de retour, que la morsure tue par milliers, que cette nouvelle maison qu'il adore agonise déjà. C'est au-dessus de mes forces. Ce serait le cas pour tout le monde. Mais nous ne serons bientôt plus seuls face à tout ça. Nous aurons les meilleurs alchimistes à nos côtés. Et je commence à me dire que c'est peut-être trois clodos. Ça en va fait. D'accord. Regarde. Une vraie loge de l'ordre. Vraie loge maçonnique. Trouvons ce magistère, Vaudin, pour Hugo. C'est un vestibule. Comment allons-nous faire pour monter? Je ne vois pas de porte. Mais ces sortes de cloches en métal. Regarde, elles portent des symboles de planètes. Et ici, le soleil trône en leur centre. L'ordre des planètes n'est pas le bon. Quel nerd! Comment ça fonctionne, tout ça? Il y a une serrure sous chacune de ces cloches. C'est un seul et même mécanisme. Mais on n'a pas de clé, alors? Je pense que la clé fait pivoter chaque cloche. Mais ta fronde pourrait faire l'affaire. Commençons par la gauche. D'accord. Le bon ordre est de gauche à droite, Mars. Le Soleil, Vénus et Mercure. Le symbole de Jupiter ressemble à un Z, comme Zeus. Quoi, le symbole ressemble à un Z, comme Zemmour. Qu'est-ce que tu racontes? Non, il n'y a que les cloches là, il n'y a que quatre. Je sais, j'ai une mèche de transpiration. Maintenant, Vénus. C'est celui juste à droite du soleil. Le symbole a la forme d'un collier. Je crois que c'est Vénus. À droite de Jupiter, c'est Mars, le dieu de la guerre. Vous aide. C'est ça. Merde. Ah, c'était un Z, ça? Vénus, Junon, la Terre. Le symbole de Mercure comporte deux serpents entremêlés. Et voilà, voilà, je crois que c'est bon. Oui. Regarde, ce mur pivote. C'est vraiment archaïque. Beau travail. Allons trouver ce magistère. Ah, le Z grec.
Magister Vaudin, je suis Amicia de Rune. La fille. Je comprends pourquoi ces brutes sont devenues si calmes en bas. L'ordre a été impressionné par ta façon de défaire l'Inquisition en Guyenne. Eh bien, je n'avais pas vraiment le choix. Pas un choix. Une vocation. Celle de protectrice du porteur. Une quoi ? Une protectrice. Ta fonction au sein de l'ordre. Mais je ne suis pas... Et tu es ? Lucas. Je suis aussi alchimiste. Un apprenti. Ta magistrat, c'est elle que tu te présentes ainsi. C'est un harangue. Peu importe. La Macula vient de se réveiller. Merci, Barracuda. Les rats sont déjà à vos portes. Calme ta colère, protectrice. Elle pourrait bien te consumer. Prends mon sac. Allons voir ce porteur. Avec une bougie ? Non mais là, il n'y a pas juste une ellipse et pouf, on retrouve, on retourne à la maison. Vous avez vu le bordel que c'était ? Ah si, coucou ! Magister Vaudin. Où est-il ? Mais c'était au bout du monde ! En haut. Comment tu te sens ? Il y avait des gardes et des rats partout et le soleil se couchait. Comment on est ressorti de l'arène ? Merci, Magister Vaudin. Bonjour. Je dois commencer immédiatement. J'aurais besoin de calme. Mais tant mieux parce que j'avais la flemme, mais quand même. Je m'en occupe. Oui, mais ils auraient pu montrer une cinématique où il appuie sur un bouton en mode genre « Ce tunnel mène directement chez ta mère. » Quoi ? Oui, vraiment. Je m'y crée plus tard.